quoi, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans la préfecture de Chiba, au centre de convention Makuhari Messe, pour le grand événement gaming Tokaigi Game Japan Party. Et on va voir un peu ce qu'il y a à faire ici, en dehors des compétitions de jeux vidéo. Chaque année ici, il y a une grande ère de cosplay, mais la principale différence, c'est qu'ici, il y a des tonnes d'armes à disposition. Il y en a vraiment de toutes les tailles, certaines sont énormes, comme par exemple celles issues du jeu Monster Hunter. Mais sur les tables, il y a aussi des petites versions. Bon, il y a un peu de tout, hein, des tronçonneuses roses, il y a un Pokémon, je sais pas ce qu'il fait là, des épées. Il y a même du alien. Et là, ils ont carrément installé un laser game. Alors, bien sûr, ça se joue équipe contre équipe. Mais le plus délirant ici, c'est l'ambiance. Hein. Là, vous voyez, par exemple, il y a un mec avec un cosplay de fille rose. Les staffs, c'est des méga otaku déguisés en militaire. Bref, c'est le Japon. Et le top du top en matière de rétro gaming se trouve ici. Regardez d'abord à droite, deux énormes manettes de NES, hein, la Famicom. Alors là, elles jouent l'une contre l'autre, mais on peut aussi jouer à deux sur la même manette. À gauche, on a une manette géante de Super Famicom, Super Nintendo donc. Et la grande nouveauté cette année, c'est là-bas au fond. J'adore parce que moi, je suis un mec de la Mega Drive, donc ça fait plaisir de voir une manette géante de Mega Drive. D'autant plus qu'on peut jouer au tout premier Sonic. Ça, c'est mythique. On peut même faire du vrai sport ici. Mais pas n'importe quel sport, un sport très particulier, une version complètement what the fuck, n'importe quoi du ping-pong, car regardez-moi ça, ici ça joue au ping-pong avec des poils, et oui. Bon, ils ont quand même pensé à mettre le vrai revêtement des raquettes de ping-pong sur les poils, mais quand même, ça reste des poils. Voilà, Tokaigi Game Party Japan, c'est super fun, même en dehors des jeux vidéo. Et j'ai longtemps hésité sur le cosplay avec lequel j'allais finir. Finalement, ce sera une patte de chien géante de Monster Hunter. Allez, à plus. Ja-ne.